Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, vous le savez, je vous ai baratiné, je vous ai pris la tête avec Trillionaire Prono et longue vie à Trillionaire parce que grâce à lui j'ai gagné pas mal d'argent et je continuerai à en gagner parce que je continuerai toujours à le suivre. Mais aujourd'hui, je me suis acheté ce petit bonnet suprême grâce à Boy Pro. Boy Pro, c'est un pronostiqueur aussi qui est aussi bon que Trillionaire et grâce à lui, j'ai gagné de l'argent. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo où j'ai encaissé un ticket. J'ai le ticket avec moi, je vais vous montrer. Et on va aller encaisser ça vite, vite pour vous montrer que c'est pas bidon. Je pourrais s'il vous plaît encaisser ça. Merci. Au revoir. Et une fois que j'ai gagné de l'argent avec Boy Pro, je suis allé sur la page Instagram Les Receleurs pour acheter du Suprême. Suprême, c'est une marque qui est connue maintenant et qui est très cotée et où il y a vraiment très peu de stock. Et si vous êtes intéressé pour acheter du Suprême, je vous invite fortement à rejoindre la page Instagram Les Receleurs. Et grâce aux receleurs, j'ai pu avoir des articles qui sont aujourd'hui introuvables sur le site Suprême officiel ou même en boutique Suprême. Voilà. Donc si vous voulez acheter du Suprême et si vous voulez gagner de l'argent, rajoutez Boy Pro, c'est le nouveau pronostiqueur de l'année. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram Les Receleurs si vous voulez des articles Suprême qui sont introuvables. Donc les amis, vous avez été nombreux à nous dire de retourner dans la cuisine pour aller voir le restaurateur qui m'avait parlé comme une merde dans la vidéo précédente où j'ai voulu faire semblant d'être un stagiaire pour justement voir si le patron était correct ou pas avec ses employés. Et j'y suis retourné. On va pas parler plus, vous verrez dans la vidéo ce qui s'est passé. Et nous, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Comme d'habitude, bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Ciao. Salut les amis, comme je vous l'ai dit dans l'intro, vous avez vu la semaine dernière, on est allé dans un restaurant où le patron me parlait hyper mal. Du coup, j'y suis même pas retourné parce que j'avais pas envie de me faire traiter comme une merde une fois de plus pour une vidéo. Cependant, aujourd'hui, je pense qu'il m'a un peu oublié vu que ça fait une semaine que j'y suis pas retourné. Et on va y retourner avec tout le monde, cette fois en caméra ouverte avec Eji. Son Insta s'affiche ici, vous pouvez le rajouter. Je vais aussi y retourner avec Soso, pareil, son Insta s'affiche en bas. Rajoutez-les sur Instagram, c'est important. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, donc n'hésitez pas à les rajouter. Il y a aussi Bâtard, son Insta s'affiche sur sa figure. Pourquoi? Parce que c'est un bâtard. Et lui, on va pas y mettre du tout s'il continue. Attends, on va pas te mettre. Voilà. Sa tête aussi. Pour la suite de la vidéo de la semaine dernière, je vais me rendre dans le restaurant. On va attendre un peu là parce que c'est midi. On va attendre qu'il y ait moins de monde et quand on va rentrer, donc on va filmer que dans la cuisine et on va voir son comportement. Le but, c'est de lui faire comprendre qu'on ne parle pas comme ça aux gens et s'il fait vraiment le malin, je pense qu'on va lui donner une petite sentence façon Kamoff comme on le fait d'habitude. Voilà. Donc là, on attend un peu et on va se rendre dans son restaurant pour lui donner une bonne leçon et qu'il comprenne que la vie, ce n'est pas un film de... Donc on va y aller tous ensemble et on va voir sa réaction. À tout à l'heure. Ouais, mais je suis revenu avec du renfort. On est venu faire la cuisine aussi. On est venu, ouais. On est venu faire un stage. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alors je viens. Je t'explique. Je vais te tutoyer du tout, du coup, ouais, parce que la dernière fois. Je m'en bloquais, mais bon, on est pas. Collègue, mais toi, la dernière fois, tu m'as parlé comme si j'étais ton collègue. Donc ça sert à rien de faire le mariole. Maintenant, regarde. On n'est pas ici pour te faire la misère à plusieurs. Du moins, tu te sens plus ça en fait. Et même, non, en fait. C'est même pas question. Tu vois, je suis calme, en plus, je reste calme parce que ça fait une semaine. Mais la dernière fois, tu m'as parlé comme ta mère. Moi, je t'explique. J'ai pas 15 ans, j'ai pas 16 ans, je suis pas une merde. C'est grave que j'ai envie de m'aller des preuves. Non, c'est pas des preuves. Bah oui, j'ai des preuves, bien sûr que j'ai des preuves. Oui. J'avais placé des caméras voilà. dans ta cuisine. De partout. Ça fait longtemps la cuisine. Oui, j'ai fait la cuisine, il y avait 3 caméras. Quoi faire? Bah, déjà pour qu'on voit comment tu travailles. Pourquoi tu crois? Merde, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Je vais le ramasser. Bah oui, je vais le ramasser. Et elle est où la poubelle? Comment ça, je vais mettre dans le sandwich? Pour qu'on voit comment tu me parles. Quand tu fais cuire un steak, tu fais quoi? Tu mets ta main dessus avec le steak? Mais non, mais t'es. Non, tu es mongolien, faut que je te dise des choses. Pour qu'on voit à quel point tu es. Mais du coup, c'est ce qui se passe dans la cuisine. Eh ouais. Mais comment tu m'as parlé la dernière fois? Après, faut assumer, mon poteau. Faut assumer, mais non, frère, tu as même pas. Tu dois avoir une trentaine d'années. Oh, je te prends un stage, c'est bon.
et tu m'amènes un verre comme ça. Tu m'as déjà fait ton chien. Des steaks que tu fais tomber. Parce que eux ils ont vu, ouais. Ouais, voilà, c'est un léger, c'est un léger. Ouais, mais gros. Je fais des actions comme ça. Ah oui, je fais des actions comme ça. Ouais, oui. Là, c'est là, tu viens, tu travailles, je te prends dans la cuisine en stage. Ouais. Tu apprends le métier. Toi, tu filmes. Tu m'as dit. Tu filmes les trucs qui se passent dans la cuisine. Tu vas dans tous les restaurants, dans toutes les cuisines, il y a des trucs comme ça. Ouais, je pense pas. Tu verras, franchement, si. Je pense pas. Parce qu'après, regarde, il y a personne qui a jamais vu se plaindre. Qui est tombé malade, qui c'est qui le voit. Des trucs comme ça, mon restaurant, il a toujours bien marché. Il y a personne qui s'est plaint, les gars, il y a personne qui s'est plaint. Qui est tombé malade ou quoi. Et là, tu sais quoi. Et là, en filmant, en faisant des trucs comme ça, tu vas me faire des. En fait, t'attends quoi. T'attends que j'aille. En fait, tu veux que je fasse mon resto. Moi, je suis gentil, je t'accueille dans le resto, tu veux que je fasse mon resto. Gentil, attends, à quel moment tu étais gentil. Non, non, mais. À quel moment. Dis-moi, à quel moment. Je t'apprends le travail. Parce que là, si on veut. Non, mais la dernière fois, toi, tu n'as pas su discuter avec moi, c'est pas vrai. Il y a les images sur internet. Il y a tout. Il y a tout sur internet. Non, c'est la France de t'apprendre. Non, non, non. Tu m'as rien appris. Tu m'as rien appris. Tu sais que là, si je veux vraiment, vraiment, si vraiment, tu vois, on est 4 ou 5, si on fout le bordel. On te compte. Tout c'est comme ça que je veux. Si on veut. Mais je suis pas trop pressé. Tu l'as appris. Ça va, tu. Tous les stagiaires que tu prends, les apprennent. Tu l'as appris. Tu es obligé de le montrer. Bah oui. Non mais de toute façon il y a déjà. Non mais il y a déjà. Non mais là il y a une vidéo sur internet. À le moment où on parle, il y a déjà la partie. La partie. En fait c'est des jeunes, c'est des petits jeunes, tu as vu qui regardent mes vidéos, qui m'ont dit regarde, dans ce restaurant, c'est sur Marseille, le mec c'est un bâtard, il fait ci, il fait ça. Donc j'ai dit donnez-moi l'adresse. Je me suis fait passer pour un stagiaire, moi je. Je te dirai pas qui c'est. Tu as pris combien d'apprentis? Tu le sais combien tu en as pris? Tu changes toutes les semaines à ce qui paraît. Ah ouais, non mais on n'a pas montré ton restaurant. On n'a pas dit où c'était. Donc un conseil, redescends, vraiment. Non mais. Non mais redis-moi. Non. Moi ce que je veux. Moi ce que je veux, c'est que tu me redises les mêmes mots que tu m'as dit la dernière fois. Vas-y, je t'écoute. Mais des fois, je suis énervé parce que voilà, non, vas-y, vas-y, non. La dernière fois, tu m'as. C'est vrai qu'il y a des fois, je t'ai dit. Mais redis-moi le. Dis-moi, ferme ta gueule. Non, pourquoi la dernière fois, tu as besoin de me le dire. Pourquoi la dernière fois, tu avais une raison de me le dire? Parce que tu crois que c'est une raison de me dire ferme ta gueule la dernière fois? Des fois, tu sais quoi, ça stimule, ça te pousse à rien. On va parler. Non, tu parles, frérot. Tu me prennes pour un méchant. Tu sais quoi, achetez. Là, en fait, il essaie de me faire de la peine. Alors que la dernière fois, j'avais juste envie de t'en tirer une. La dernière fois, tu m'as dit. Si tu me tu dis le steak, tout ça, si tu dis à des gens le steak, je sais où tu habites. Tu m'as fait des menaces en gros. Donc nous. Attention, s'il te plaît. Non. Dis-moi, tu apprends pas à sonner tes trucs à toi, tu prends que les trucs fermés, bah, tu fais tomber tes steaks. Écoute, nous ce qu'on va dire, la seule chose que tu mets. La seule chose que tu mérites là, c'est qu'on te dénonce ton restaurant. Et que tu fermes. Donc là, tu as de la chance. Et encore, tu as un avantage, c'est que ta cuisine elle est relativement propre. Mais toujours. Toi tu es pourri. Toi tu es pourri. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un restaurant. Un vrai restaurant, d'accord? Un vrai. Je vais te montrer c'est quoi un restaurant et toi, tu vas faire le serveur. Maintenant, prends tes affaires, tu vas fermer le restaurant. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que sinon, c'est simple, on te le crame ton resto. Je balance à tout le monde où il est ton resto. Tu es prêt pour toi? Ferme ton restaurant. Vas-y, allez, vas-y. Non, mais ferme tout, vas-y. Ferme ta cuisine. Ferme ta. Voilà, c'est moi. Donc voilà, les amis, là, on est en compagnie de notre patron qui parle chinois. Maintenant, il parle chinois. Il parle. Tu parles d'autres langues ou pas? C'est bon, vas-y, on fait vite. On fait vite. Alors. Je vous explique. Je l'ai emmené dans un restaurant d'un ami à moi. D'ailleurs, le responsable du resto, c'est ce jeune-là qui s'appelle Lucas. Hein. Voilà, on est à l'entre-deux. Il y a l'adresse qui s'affiche en dessous. Si vous voulez bien manger et si vous voulez vraiment pas manger des steaks hachés qui tombent par terre et qui sont remis dans des plats, et si vous voulez travailler chez des gens, un stage ou n'importe quoi, c'est ici qu'il faut venir parce que le patron, c'est quelqu'un de. Faire le stagiaire et il va faire le serveur. Ok. Ça te va? Ça me va. Ça te va? Tu es toujours d'accord? Vas-y, on va y aller et tu vas nous servir à. Et, je vais, et tu vas te changer. Tu gardes pas ça. Ah parce ouais. Que ça, oh, ça c'est pas une tenue de serveur ça. Voilà. Ah ouais frère. Allez, venez, on se met là. Ouais. Ah, venez, on se met plutôt là-bas. Ouais. Il y a plus de chemin à faire. Ouais. Donc regarde mon ami, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te changer. Hein, d'accord? Là, tu vas lever tous tes vêtements, on va aller derrière, ok, et tu vas mettre ça. Va, je te l'amène. Va, je te l'amène. Vas-y, va. Du poil à gratter. Ça gratte beaucoup. Donc, je vais lui dire. En même temps, qu'il fait les. Non, je vais lui mettre ça dans la combinaison. Vas-y.
sous les bras. Oh, ça pue, c'est vrai que ça pue. Tiens, change-toi. Et quand tu es changé, tu reviens. D'accord ? Je te parle. Ouais, c'est bon. Ah, tu es beau comme ça. Il te va bien quand même le truc, quand même. Ingénieur de la connerie. La tête, elle est pas belle, toujours. Ouais, arrête de faire le mec carré aussi, ouais, tu es pas costaud. T'as caché plein de morvelles. Bon. Pourquoi tu te grattes ? Tiens, t'as des puces ou quoi ? Toi, tu t'es pas revu hier soir? Moi, un sirop de grenadine, s'il te plaît. Moi, un sirop de pêche. Moi aussi, un sirop de pêche. Moi aussi, un sirop de grenadine. Trois sirops de pêche et deux sirops de grenadine. Allez, dépêche-toi. S'il te plaît. Fais vite. Est-ce que tu comprends quand je te parle? Deux sirops de pêche, trois sirops de grenadine. Bouge-toi. Lucas, où tu vas? Fais-les. Il faut te répéter les chats 50 fois. Oh, tu comprends pas? Oh. Tu passes un certain. Travailles dans un resto, toi? Ouais, arrête de gratter, Kesha, tu te laves pas? Non, c'est la tenue, elle gratte. La tenue, elle gratte. Voilà, il y a combien? Il y a 5 trucs. Alors fais-les. Oh, ouais. Moi, j'attends pas 20 ans. On va te parler un peu comme toi, tu parles. Bonjour. Eh ben, check out. Te mémoriser. Tu fais une erreur, je te le vais sur la tête, je te promets. T'es pas là pour parler. D'accord, tu fais, tu... Je te demande ce que tu veux. Ah bah ouais, mais moi aussi, je pouvais pas savoir. Voilà. Poto, ça fait 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu les fabriques, les glaçons? Tu les fabriques, quoi? Moi, ce soir, allez. Il est long. Bon. Mettez vite, ton gros légume. Non, je calme pas. Allez, s'il vous plaît, il vous voit maintenant. Il vous voit. Il veut manger du verre. Arrête, c'est la vie, il a dit. Oh, arrête de gratter, tu fais nos verres, tu commences à plus chingungunya, accélère, la pointe de c'est pas sale. Il a fait tomber le steak, il a remis, mais il dit je suis pas sale. Et tu es quoi, tu es pourri, tu es pas sale, tu es pourri, tu es. Et comme il est lambé, Il a mis ses doigts, Bon. Mais les touillettes à l'envers de attends, mais en tour. Quand il sert, il est où le plateau? Il faut un plateau. Ah, tu nous amènes là-bas, tu crois quoi? Tu crois aller prendre ici? Ah oui, on va te suivre. Non, ne prends pas, tu vas te faire. Rappelez le verre au radé que tu es. Rappelez le verre. Oh, tu es dur, mon travail. Bah. Travaille dans un restaurant, toi? Tu t'es lavé les mains avant de faire chose? Non, même pas. Même pas? Moi, je me suis lavé les mains. Tu l'as lavé avant de le remettre aussi? Qu'est-ce que tu te grattes comme ça? Qu'est-ce que mon frère? Oh, t'as des puces, quoi! Oh, t'as des puces de lit chez toi ou quoi? C'est ma merde. Ouais, c'est mon verre, très vite. Hein. Allez, même la tête, on dirait une punaise de lit. Allez, vas-y. Là, je me prends ma paille et ma punaise. Ouais, moi, t'as raison. Allez, non, mais tu. Allez, quoi? Laisse, pause! Non, voilà, allez. Il vient de me dire quoi? C'est la misère, mais sur le plateau, je veux m'emballer. Il y a un plateau là, tu prends, tu mets sur un plateau et tu nous amènes. Et bouge-toi! Tiens, pas intérêt de faire ton merde! Oh, gratter! Et que ça saute! Mais qu'est-ce que tu as? Comment tu sais pas ce que tu as, ce que gratte? Tu es un fou, frère! Allez, toi, donne-toi la place, viens. Allez, putain, mon ami. Le plateau, il va se ramener seul. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, tu as le skip cheese. Tu as le skip cheese. Qu'est-ce que tu as? Oh, crasseux. Ah, les gars, oh, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Ouais, tu es juste sale, tu dois avoir des cafards sur ton clochard. Une sorte de barre. Moi, ton jean. Ah, je te remercie encore. Allez, vas-y, casse-toi. Écoute-moi. Ouais. La prochaine fois qu'on me dit qu'il y a une stagiaire qui est venue, que tu lui as fait la misère ou je sais pas quoi, même moi, je vais envoyer des gens que tu connaîtras pas. Donc fais attention comme tu les traites. Tu as de la chance qu'on donne pas le nom de ton restaurant. Ah. S'il te plaît, dis pas. Non, je vais pas le dire. Mais voilà, c'est bon. Je vais pas à ma tête. Va te prendre une douche, tu es crasseux. Tu mets pas à ma tête. Non, je vais pas. Mets ta tête. Ouais. Mais pas de déodorant, lui.
Ah, frotte-toi au conteneur. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez bien manger, n'hésitez pas à vous rendre au restaurant L'Entre-deux. Hein, ils ont Instagram aussi, je mets leur Insta ici. Tout simplement pourquoi ? Ben, juste, même si vous venez pas manger, mais juste pour les remercier. Parce que c'est grâce à eux on a pu tourner dans leur restaurant et en même temps ça leur a fait de la pub. Donc merci à tout le monde d'être venu, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'autre il va se gratter jusqu'à l'année prochaine avec le poil à gratter. Et nous comme d'habitude on se retrouve à la fin, enfin là on est à la fin mais on se retrouve chez moi pour une petite conclusion. N'oubliez pas de rajouter les frérots sur Insta et téléportation à la maison pour faire une petite outro. Ciao. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, le restaurateur, le patron, vraiment a fait profil bas quand il nous a vu arriver et quand il a eu peur qu'on dévoile le nom de son restaurant par crainte de vouloir fermer juste après. Donc bien entendu, nous ne dévoilerons pas l'adresse du restaurant tout simplement parce qu'on lui a promis. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement y retourner. Je vais sûrement envoyer un jeune vraiment en off dans son restaurant pour voir comment il se comporte avec lui et pour voir s'il a changé. Si vous voulez porter notre marque, si nos vêtements vous plaisent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y en a vraiment pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde. Les frais de port sont offerts et les paiements sont sécurisés, comme sur les resellers pour acheter du Supreme. D'ailleurs, j'insiste vraiment, si vous voulez vraiment porter du Supreme et du vrai, pas du faux, faites attention parce qu'il y en a beaucoup sur Internet, n'hésitez pas à les rejoindre et à les rajouter sur Insta. C'est vraiment officiel et c'est 100% vrai. En ce qui me concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo comme il y a 2 ans, hein, ça fait 2 ans qu'on fait ça, donc voilà, tous les mercredis, vous le savez, à 18h, il y a une nouvelle vidéo. Continuez à vous abonner sur cette chaîne, on est bientôt 600 000, en route vers les 1 million. Le message que je voulais faire passer en faisant cette vidéo, c'est de dire à tous les jeunes, tous les gens qui font des stages, qui font des apprentissages, ou même des employés qui arrivent dans un nouvel établissement qu'ils ne connaissent pas, s'il y a un problème, si le patron vous parle mal, si vraiment il y a un abus, sachez qu'il faut en parler. Vous pouvez en parler à vos parents, vous pouvez en parler à vos proches, justement pour que tout cela cesse, car c'est interdit et c'est de la maltraitance, tout simplement. Donc n'ayez pas honte d'en parler, vraiment n'ayez pas honte, c'est très important, il faut que ça sorte, il faut pas que vous restiez à travailler comme ça avec des gens qui vous parlent mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et à mercredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Ciao !